Bonjour à tous. Salut, c'est Charles. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va attaquer la préparation de la Serpent 811, donc GT LWB, donc en châssis long. On va la préparer pour mon pote Fabio là, qui moi je lui ai vendu suite à mon achat de la rallye. Donc voilà, on avait un peu de temps pour la préparer, ça a un peu traîné et là on va attaquer. Donc en fait on va lui monter le combo d'origine de la rallye maintenant dedans. Donc ça lui permettra de rouler en 4S tranquillement au début. Et après quand il aura bien pris en main, il pourra passer en 6 et avoir vraiment quelque chose de performant. Donc voilà. Ouais, le combo là est franchement pas mal du tout. Le combo de la rallye, en regardant, on a vraiment tous les paramètres aussi sur le SC. Donc je pense que c'est vraiment pas dégueu comme combo. Donc voilà, je pense qu'il sera satisfait. Donc je vais vous basculer, on va monter ça tranquille, vous expliquer deux trois choses que moi je fais en général. Donc pardon pour ma toux. Donc comme d'hab, je vous remettrai à l'endroit. Vous le verrez pas. Donc voilà, donc en fait, il aura le moteur en 2000 kV. On va regarder les dimensions. Donc c'est un 40, hein. 42 si vous prenez au niveau des ailes de refroidissement. Donc voilà, 42, 64, un 40 ou 42, 74. Bon après, sur les serpents, le souci, c'est toujours la place en fait. On peut vraiment pas mettre beaucoup plus long. Donc on est très vite limité. Ça qui est un peu dommage. Donc voilà. Donc hop, on regarde. Hop. Je pense qu'on va les mettre comme ça. Ouais, comme ça, ça. Donc par contre le top ça aurait été là, mais bon. On va mettre là, on va regarder. Un petit montage juste à blanc. Je mettrai un peu de frein filet sur les vis après. C'est juste vraiment. Parce que le SC va aller comme ça, c'est juste pour savoir si on a assez long en faisant un montage propre. Ouais, ça va le faire. Ok, donc on valide. Voilà, c'est très serré. Donc là, bah, je mets toujours une pointe de Loctite bleu, voilà. Alors ça sert à rien de remplir le filet de Loctite parce que de toute façon quand vous allez visser, il va s'étaler dans les filets. Et s'il y en a trop, et ben il sèche pas bien. Donc après c'est pareil, en fait quand vous mettez des vis dans un moteur comme ça, donc si vous sentez une résistance, ne forcez pas, hein, ça vous évitera d'abîmer le bobinage derrière ou quoi. Et en fait là je vais juste de me serrer un petit peu, non je vais pas serrer assez, voilà. Juste que je me serre un peu le pignon dessus, voilà. Et en fait, je le fais toujours tourner à la main, doucement, pour voir s'il n'y a rien qui accroche dedans, si la vis n'est pas allée trop loin. Ça, c'est assez important. C'est même pas assez, c'est très important, en fait. Donc là, bon, je suis pas allé, je l'ai pas mis assez, je l'ai pas rentré assez. Je m'en doutais, mais bon. Je voulais essayer. Voilà. Donc là, c'est un pignon neuf.
que j'avais préparé. Je n'ai même pas compté le nombre dedans. On va faire ça ensemble. Alors, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5, 15 dents. On verra bien. Comment il se comporte. De toute façon, je ferai des essais avant. Et ben, le 15 dents ne va pas. Il n'est pas assez grand. Il n'est pas assez grand, je ne vais pas assez loin. Donc là, on a un. Oh, 19, ça va être un peu violent. Mais bon, à mon avis. Et je crois que j'ai fait une erreur en plus. Hop. Et ouais, Charles, t'as fait une erreur. Comme un âne, tu as remonté la plaque du moteur à l'envers. J'ai plus mon troupeau. Il est en dessous. On va remettre un peu de frein filet, c'est pas grave. Hop, voilà. Malgré qu'ils sont encore un peu là, oh, je vais juste remettre une petite goutte. Une ch'tite goutte. Voilà. Ouais, je pense qu'on fera au moins deux vidéos dessus. Je pense que tant qu'elle est là, on va aussi faire les. On va contrôler les différentiels. Et certainement durcir un peu l'avant. Voilà. Est-ce que je sais plus? Ouais, ils sont très souples. L'arrière, par exemple. Ah non, j'ai rien dit. Oh non, ils sont. Il n'y a même pas besoin de les travailler en fait. Oh, ils sont très bien. Je pense que de toute façon, on fera un petit essai. Et comme ça, on verra déjà comment qu'elle réagit. Voilà, on va lui mettre un 19. Il y a quand même une belle différence entre le 15 dents et le 19 en diamètre. Et donc, je pense que c'est ce qui me manquait. Parce que là, j'ai encore aussi, j'ai un 16, mais bon, le 16, je pense pas que j'irai assez loin. Donc voilà. Juste mettre le frein filet. Hop, ça. Et je suis désolé, je vais devoir me moucher. Bon, désolé. Du moins que j'arrive à me séparer de cette bronchite et de ce rhume là. Bon ben, on va dégager la vis pointe là. Elle est pourrie. Poubelle. Il faut que je m'en rachète d'ailleurs parce que. Je pensais avoir acheté les bonnes et malheureusement j'ai pas les bonnes. Alors, il est où mon méplat? Il est là. Voilà, ça a l'air pas mal. Ah, c'est beaucoup mieux. Bon, le petit bout de papier. Bon, là, pour le réglage, c'est un peu plus galère parce que l'accès est du coup beaucoup plus étroit. Et je pense que d'ailleurs, mon moteur est déjà un peu trop avancé. Ouais.
Tournevis. Et je sais que je regarde juste là où j'avais rangé. Ça va être... C'est une vis bien spécifique pour le réglage du moteur chez Serpent. Ouais, on va mettre. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Je veux pas mettre. J'ai peur après que ça soit vraiment trop dur. Déjà comme ça, le chariot est assez dur à bouger. Voilà. Donc là, je suis bien. Tac, voilà. C'est passé. Façon, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est quand vous allez démarrer là. Démarrer, pardon. Quand vous allez essayer la première fois que c'est. Il faut faire attention au bruit et peut-être peaufiner un petit peu. Hein. Donc là, on a la chance que en fait le SC rentre dans le logement. Oh mince, ça c'est bête. Ça c'est bête. Il y a un super trou là et en fait il va pas sur le. Il n'est pas dessous. C'est dommage parce que on aurait pu mettre la sangle. Une sangle de sécurité pour le. Pour le SC. On va bien nettoyer, dégraisser le SC dessous là, comme ça. Pour bien que le double face prenne. Voilà, je micro-raye la surface aussi. Comme ça. Voilà. Donc c'est du nettoyage en frein. L'avantage c'est que ça dégraisse bien. Et ça s'évapore, ça laisse pas de résidus. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, ben, le double face, il est là. Voilà. Donc il a tout juste sa place, on est pas mal du tout. Faut avoir, je sais pas, je verrai si je remets une petite grille un peu plus fine dessus pour éviter qu'il prenne des petits cailloux. Pardon, je vous ai toussé en plus, vraiment juste à côté de la caméra. Donc ça, malheureusement, ça marchera pas. Voilà. Donc après, bah, les câbles moteurs, on va faire comme ça. Hop. On va essayer de faire ça le plus propre possible. On va les attacher après. Alors on va faire ça. Le tout, c'est d'éviter qu'il se balade le moins possible. Pour éviter qu'ils aillent frotter. Voilà. Voilà.
on est là, là, là. Le bouton, ben, je pense qu'il sera sympa juste là derrière. On le retournera peut-être. Voilà, comme ça. Ça pourrait être sympa. On va faire passer le câble du cerveau aussi là entre. Donc voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais après, si vous devez vous préparer une RC, je pense que c'est peut-être un bon exemple, quoi. Essayez de ranger un maximum vos câbles, tout ça, comme ça. Comme ça, l'avantage, c'est que ils auront moins tendance à se promener. Et puis, vous avez moins de chances de les abîmer. Oh, il veut pas rentrer plus, donc c'est pas grave. On va reprendre un peu de papier. Alors, tac. Voilà, hop. Donc ouais, moi je laisse la petite patte, hein. Parce qu'en fait sur la rallye, il était fixé sur la boîte radio par le dessus. Et d'ailleurs c'est bien parce que le combo que j'ai mis avait aussi la petite patte. Et donc c'est pareil, on pouvait. J'ai aussi fixé le. Le nouveau bouton de l'ESC paraît de la même façon. Et donc, bah, c'est bien pratique. Donc là, on va décoller l'ancien double face. Le câble de l'ESC qui se baladait. Alors, donc c'est pareil, je lui mets la radio complète de la rallye. Donc en fait, il y aura le, ben, le gyroscope avec. Donc ça lui permettra s'il veut utiliser. On va dire, c'est pas un ESP, mais c'est presque tout comme. Ouais, bah ça, Charles, t'as cassé. J'ai cassé mon embout de 1, 5. Et celui-là, c'est un 2. Forcer un peu sur mon tournevis de 1,5 et ben voilà, ça n'a pas apprécié. Donc ça c'est mon tournevis de terrain. C'est pas grave. Voilà. Donc en fait, ce qu'il y a aussi. Le tube antenne est explosé. On va faire ça. Hop. Voilà. J'aime bien préparer aussi ça. Bon, on va pas falloir mettre non plus une antenne de 3 km de long. Et bon, je pense qu'on peut se permettre. On va déjà faire ça là. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est prêt.
Donc voilà. Ça, on s'en occupera après. Donc ça, c'est déjà l'ancien proprio qui avait laissé son cerveau dessus. Alors, batterie. C'est assez spécial. Le... comment dire? Le repérage sur le récepteur est assez spécial. Parce qu'en fait, il y a stream, TH, donc throttle. Et après, on a aux 1, aux 2, pour, parce que y avait le frein à main, et on en a un, batterie, en fait, c'est parce que il y avait... oh là là, ça me vient plus. Il y avait les LED sur la rallye. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc, hop, un petit rilsan. On va remettre aussi un petit rilsan là, comme ça, ça tient bien le tout. On va faire bien comme ça. S'il veut bien passer. Et rester où je demande, surtout. Voilà. Donc voilà, là il y a un passage tout juste. Et hop. La boîte dans le bon sens, ça ira mieux. Il y a le petit passage pour les câbles, voilà. Donc, il me manque une vis par contre. Est-ce que. Faut que je regarde si j'ai des fraisés de 2. Et je crois que c'est pas le cas. J'ai des CHC de 2. Ouais. Alors sinon. Ça sera un peu moins joli, mais au moins ça sera fermé. C'est l'essentiel. Donc voilà. Donc on va avoir fini de monter le combo. Et par contre, je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut en batterie. J'ai pas dit que c'était 90 moi. Donc je vais regarder. Au pire, je couperai le temps que je cherche. Donc voilà, je vous reprends. Donc en fait aussi, il va falloir que je déplace le taquet là pour la batterie. Et sur aussi un peu, je pense, on va les déplacer un petit peu pour pouvoir loger les batteries. Il m'a dit, moi j'ai une 160, lui il a des 150. Donc, voilà, pour laisser en statique là, c'est pas grave. Hop là, donc. Ah, alors là, on a déjà un truc pas cool. On va déjà... Pourquoi j'ai le trim? Il va déjà falloir que je règle un peu la direction. Parce que là, je suis quasiment embuté. Tac, tac. Donc on va juste...
Bon voilà, on est pas mal. Le bruit est pas dégueu. Et après on a pignon pignon, hein, donc. Voilà. Donc à part le cerveau qui est pas bien réglé du tout. Donc je vais le décrocher et puis je vais déjà regarder ça. C'est un peu bizarre. Donc voilà. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc voilà. Une vidéo un peu longue. Désolé. Mais j'espère que... Que voilà, je vous avais appris des petites choses. Ou bah, après, il y en a plein qui connaissent déjà. Mais pour un débutant ou quoi, ça peut toujours être sympa. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus et puis je vais regarder mon problème, mon souci de cerveau, moi. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.